Et salutations les amis et bienvenue pour ce nouveau temps mort. Que dire pour ce nouveau temps mort? Eh bien tout d'abord que j'ai changé de décor. Ça se voit un peu, hein, ce n'est plus le magnifique papier peint multicolore avec mon canapé derrière moi et toutes mes affiches, mais juste un mur blanc. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas qu'un mur blanc. J'ai essayé d'avancer tout le décor pour qu'au fur et à mesure des épisodes, ça soit un décor potable. Donc je ne sais pas si je vais continuer à tourner ici ou ailleurs, puisque j'ai la possibilité de tourner soit en extérieur, en intérieur. Donc voilà, nouveau décor. Et pour ce qu'il en est des vidéos, il y a un nouveau projet qui va se présenter sur ma chaîne. En effet, il y a déjà 3-4 mois de cela, j'avais mis un post sur Facebook comme quoi j'avais l'idée d'un nouveau projet sur ma chaîne. Sauf que j'étais dans mes études, du coup j'ai préféré faire mes études. J'ai préféré m'avancer dans mes études et comme je n'étais pas souvent chez moi, et que j'avais pas forcément le temps d'écrire et d'avoir de vraies idées à ce moment-là, je me suis dit, on va y faire plus tard. Chose que je fais maintenant cet été. Génial! Mais vous allez me demander, à quoi consistent ces vidéos? Eh bah, c'est un peu comme le Seki. Mais au lieu de présenter un youtubeur ou des personnages fictifs, oui, je vais présenter des personnages fictifs, je vais vous présenter des monstres. Littéralement, je vais vous présenter un bestiaire, mais pas du genre... C'est une créature qui vit là, 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 là. Merci, abonnez-vous, au revoir. Non. Je vais plutôt vous présenter effectivement ce que c'est, mais aussi où est-ce qu'on peut les retrouver et sous quelle forme on peut les retrouver, puisque chaque créature a sa propre identité dans chaque univers. Je sais pas si tu m'as compris. Donc nouvelle vidéo qui va s'intituler Bestiaire, donc nouvelle série de vidéos. Je continue quand même le jour où et les Seki. Il y aura un Seki sur cet été, le jour où peut-être pas, puisque les jours où sont plus faciles d'accès en écriture, puisque je n'écris que des conneries, hein. Et les Seki et les Bestiaires, quant à eux, sont un travail plus poussé de recherche. Il faut pas que je me trompe dans mes sources sur tout ça. Qui va me prendre beaucoup de temps, donc un Seki sur, nouvelle vidéo, donc Bestiaire, et jour où, bah, ça dépendra, mais pourquoi pas. Niveau décor et vidéo, c'est fini. Je mets de côté, maintenant, j'ai une annonce à faire. Donc voilà, mon annonce, c'est, si toi, derrière ton écran, tu sais dessiner, ou travailler sur de la photo, etc. Ou que tu connais quelqu'un qui sait dessiner, qui travaille sur de la photo, etc. Qui a la possibilité de me faire une bannière pour YouTube. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes intéressé pour faire ce travail, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou dans mes mails. Et le mail est toujours blackboxnc@gmail.com. Fou. Vous mettez en libellé bannière, ainsi que vos dessins, vos demandes, de savoir ce qu'il faut que je dessine, ou pas, blablabla. Moi, tout ce que je demande, c'est soit un dessin de ma petite tête, mais ça, limite, je m'en fous, un dessin ou un montage qui représente plutôt l'univers de mes vidéos, et voilà. Les parties annonces, vidéos et décors sont finies, maintenant je vais passer aux remerciements, puisque je ne vous remercie pas assez à chaque fois que vous aimez, vous partagez ou vous commentez mes vidéos, parce que moi, ça me fait extrêmement plaisir. Des fois, ce sont des critiques constructives, des fois, ce sont rien. Je tiens à remercier aussi plus particulièrement Blowing Dust pour me prêter actuellement son matériel, donc de nouvelles lumières et un fond vert qui se balade un peu par là, que je vais utiliser bientôt, j'espère, si j'y arrive. Mais aussi pour son aide pour l'écriture de mes vidéos, notamment bah, le Seki Mathieu Sommet, et aussi la vidéo que j'ai pu faire avec lui le jour où j'ai changé d'intro, où on s'est tapé de sacré fou rire. Dommage que je n'ai plus les vidéos pour vous les montrer, mais on a pris quasiment un fou rire d'1 heure sur un passage qui ne dure que 5 secondes dans la vidéo. Et Dieu sait que c'est horrible. Mais je tiens aussi à remercier tous mes amis pour me donner une imagination folle, telle que les oiseaux masqués pour certains, ou encore la vidéo putaclic avec le Seigneur des Anneaux pour une personne en particulier, pour ma sœur. Donc merci à eux pour me donner que des conneries à faire. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui regardez actuellement la vidéo, puisque ça prouve que j'ai un certain public qui apprécie ce que je fais.
Et ça, bah, j'aime bien. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de voir que j'ai une petite communauté qui se crée. Du coup, ça m'incite à refaire de nouvelles vidéos et à me casser la tête, à faire des trucs de plus en plus creusés et bien. Je sais pas si je peux dire que c'est bien, mais en tout cas, voilà. En tout cas, encore merci. Continuez bien votre route sur Internet ou sur YouTube, où que vous soyez. Et je vous dis à très 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 bientôt. À plus.